Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce week-end, j'avais envie de vous faire un petit tirage sur la variolite, non, ou la variosole, bref, tu m'as compris. Les variants, la probabilité que peut-être il y aurait des pustules d'une variante d'un singe, t'as vu? On s'en est perdu, on sait plus. Le mieux, c'est de pas s'en préoccuper, mais quand même, comme il y a des personnes qui m'ont demandé de faire un tirage à ce sujet, j'avais envie de faire un tirage. Excusez pour ma coupe, mais je laisse pousser. Donc, ça fait n'importe quoi. Donc, j'ai appelé cette vidéo la variosole ou la varicule. C'est-à-dire, c'est la moitié d'un variant, d'un virus et de la variole. Tu vois, donc on va prendre l'oracle de la loi de l'attraction. Qu'est-ce que tout ça va nous apporter? Qu'est-ce que tout ça va arriver? Que va-t-il arriver? Voilà, d'après tout ça. Eh ben là, j'ai carrément des cartes qui veulent sauter. On va les prendre, tu sais quoi? On va se concentrer. Alors, donc, j'ai bien l'archange Métatron qui est avec moi, d'accord? On va regarder les cartes qui sont là. Je ne sais pas pourquoi je suis poussée avec à faire cette vidéo. D'habitude, je ne réponds pas trop à vos mails. Je ne réponds pas trop... excusez-moi, je n'ai pas mis... Hop. Bon, bref. Écoutez, ça va sonner. Je n'ai pas mis le mot d'avion, évidemment. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, donc, excusez-moi. J'ai reçu des mails me demandant, là, mais qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit qu'on allait s'en sortir, vous avez dit que tout ça allait s'arrêter, qu'on allait pouvoir revoyager. Bon, les gens partent en vacances, je ne sais pas si vous avez entendu le narratif. Moi, j'écoute pas trop les infos, je mets jamais la télé. Mais l'autre jour, j'étais chez ma maman au moment des informations et j'ai bien vu que dans les informations, les gens réservent à tout va pour les 4 jours, là, hein, pour les 4 jours notamment. Les gens commencent à réserver leurs vacances pour cet été, etc. Donc les gens vont voyager, ça c'est sûr, les gens vont partir en vacances. Il y a ceux qui ont préféré ne pas aller dans les pays étrangers, mais qui préfèrent revisiter la France pour ceux qui sont en France, voilà, et voilà. Il y a les étrangers qui vont venir chez nous. Je l'avais dit, qu'au niveau voyage, ça allait revenir, qu'on n'aurait plus de masques. Bon, là on est l'été, ça y est, on n'a plus le masque, on n'a plus les masques au printemps, on est l'été. On est encore au printemps, j'avais dit au printemps. On a un an de retard. Hein, pour savoir qu'on a un an, une bonne année de retard, c'est-à-dire que, bon, sans faire de voyance à deux balles, bien sûr, on va voir, ils vont essayer de nous remettre, mais bon, on ne sait pas, faut arrêter de dire ils vont essayer de nous remettre, ou qu'est-ce qu'ils vont nous mettre, ou qu'est-ce qu'ils vont tenter de faire. On va regarder dans les cartes, là, pour ça, pour ce nouveau truc qui nous sorte, là, dont le narratif est que peut-être il faudrait ressortir des picouses des années 1900, je ne sais pas quelle année, enfin du siècle dernier. Voilà, que les fameux picouses du C-19 pourraient être justement à élaborer, améliorer, enfin j'ai entendu de tout. Peu importe, j'entends du tout et n'importe quoi, pourrait être amélioré et pourrait justement servir à cette nouvelle pandémie, hein, épidémie. Voilà, donc on va regarder ce que tout ça va nous apporter ou pas, parce qu'on va regarder dans les cartes et souvent on nous donne de bonnes nouvelles dans les cartes. On a recevoir, je m'autorise à recevoir, c'est-à-dire la bonne santé, moi je fais un tirage positif, je m'autorise à recevoir. Autorisez-vous à recevoir du positif, autorisez-vous à recevoir l'abondance, autorisez-vous, d'accord? Et puis, je suis honnête avec moi-même, c'est-à-dire, est-ce que vraiment, quand je pense à tout ce qui pourrait nous arriver de mal dans la vie, est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même, est-ce que je suis vraiment...
dans une forme de d'authenticité. Hein. Est-ce que c'est vraiment moi qui pense comme ça? On pense pas comme ça d'habitude. Faut arrêter donc de regarder tous ceux qui nous servent comme soupe à la télé et tout ce qu'ils veulent nous injecter comme soupe. D'accord? Donc on arrête de se mettre la rate au courbouillon, si tu veux. Donc on arrête ça. On s'autorise maintenant à penser positif, hein, surtout vous, hein, vous qui me suivez, vous qui êtes positif. Pourquoi je fais pas tout le temps de vidéos là-dessus? Pourquoi je laisse mes collègues faire des vidéos là-dessus? D'abord parce qu'ils sont plus forts que moi là-dessus, et puis parce que moi j'ai vraiment envie de croire à un monde meilleur, enfin, c'est-à-dire à quelque chose de voilà. Donc Olivier et moi, non, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas cuicui les petits oiseaux, machin et tout. Non, non, on est dans la vraie vie, mais on a envie de penser positif. Les pensées sont créatrices et les actions sont créatrices. Hein, si vous pensez et que vous actionnez, que vous agissez, pardon, pour un meilleur avenir, eh bien, c'est ce qui va arriver. Donc, vous pourrez recevoir, autorisez-vous à recevoir, d'accord ? Construisez vous-même la vie que vous voulez avoir et arrêtons de dépendre de ce qui pourrait nous tomber sur le coin du baigneur ou ce qui pourrait arriver. Arrêtez de faire des... Vous savez, quand vous êtes comme ça, vous ne vivez pas le moment présent. Là, vous devez vivre le moment présent. Alors, il y en a qui nous parlent de « à cet automne ». Alors déjà... les sinistres ne sont plus des sinistres de la République, ce sont des voyants. Hein. Ils savaient très bien qu'il allait avoir quelque chose de nouveau à l'automne. Bah écoutez, s'ils le savent si bien, et ben tant mieux pour eux. Mais nous, on n'a pas envie de les écouter. On ne les écoute plus. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se réveillent, entre guillemets, ou qui s'éveillent, qui ouvrent les yeux sur des tas de choses. Donc, on arrête de croire tout ce que les gens nous disent. Tu vois? Et puis, bah, advienne que pourra, parce que si on est comme ça, on ne vit pas le moment présent. Donc, dans mes vidéos, moi, ce que je prône, c'est de vivre le moment présent. Faut pas se préoccuper du passé, parce que le passé est passé, et on peut pas refaire le passé, sinon ça serait tellement facile. On referait notre vie en mieux. Donc, et d'ailleurs, c'est grâce à nos expériences passées, des fois nos mauvaises expériences, qu'on a pu évoluer, s'améliorer. Donc, le passé est passé, on l'oublie, hein. On pense au moment présent et on va pas trop, hein, on se met pas trop dans le futur. On pense pas trop au futur parce que sinon, ben, on n'est plus dans le moment présent. Donc, le futur, on peut penser au futur, mais positivement, d'accord? C'est important. Et là, on vous dit justement de lâcher prise. J'accepte ce qui est. Donc, acceptez déjà de vivre le moment présent. Acceptez de pouvoir respirer sans masque, sans contrainte pour l'instant. Et j'ai envie de dire pour l'instant, mais pour un long moment. Je ne vois pas revenir, et si je me trompe, tant pis, mais je ne vois pas revenir les passes trucs. Je ne vois pas du tout revenir ça. Me demandez pas comment, j'en suis sûre. Hein, d'accord? C'est important que vous compreniez ça. Alors, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, j'ai une carte qui est retournée. Oh, hop. J'ai trois cartes, donc elles n'étaient pas bien mélangées. Elles n'étaient pas bien. J'ai dû m'en servir et je ne les ai pas. Alors, hop, on se concentre. On se concentre. Est-ce que l'archange Métatron est avec moi? Donc là, on a la clé. Hein. C'est vous qui vous autorisez à recevoir l'abondance. Je m'autorise à recevoir, je me donne la clé de moi-même. Hein. Je suis le propre chef de ma santé. C'est moi qui décide ce que je fais pour me soigner, ce que je mange, comment je dors, à quelle heure je dors, etc. C'est important. Et là, je vais prendre la 8 et la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on parle du destin. Le destin, c'est aussi de se réaligner, d'être honnête avec soi-même. Cette carte me fait penser vraiment à la méditation. Hein.
La méditation nous permet de faire le vide en nous, d'être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que vraiment ce qu'on pense, nos pensées, etc. C'est important. Et là, on te dit de lâcher prise parce que il y a la fertilité qui arrive. Alors, pour les personnes qui regardent ce tirage et qui, ce week-end, se disent « j'aimerais être enceinte » ou « j'aimerais avoir de nouveaux projets », bien, c'est possible. Mais par contre, il faut lâcher prise parce que plus on veut quelque chose et moins on l'a. C'est contradictoire avec la loi de l'attraction, mais plus on est pressé, moins ça va vite. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, lâchez prise, parce que les nouveaux projets, la fertilité, tout ce qui va de bon va arriver maintenant. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des symboles de vie, et on va prendre une carte de Gaïa, et une carte des Crop Circle, pour voir pour l'ensemble, hein, parce qu'on ne sait pas que pour la France, hein. Eh bien, on a là le phénix. On a « Je renais de mes cendres ». Donc, on va renaître de nos cendres. On est dans le monde. Le monde va renaître de ses cendres. Là, on arrive à la fin d'un cycle et on entre dans un nouveau cycle pour l'humanité, j'ai envie de dire. D'accord ? Alors, on va prendre l'oracle de Gaïa et l'oracle des Crop Circle. Alors, l'oracle de Gaïa. Alors, je remercie toujours l'archange Métatron qui va peut-être me donner la carte. J'ai la carte numéro 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eh bien, écoutez, on a une superbe, magnifique carte. Hein, je vais vous la dire. C'est « Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux ». Vous savez que le hasard n'existe pas. Là, on a un beau soleil. On a « Je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux ». Des fois, il y a des hasards malheureux, mais il y a des hasards heureux. Hein. Rien n'arrive par hasard. La carte numéro 29. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. C'est peut-être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et nous faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. C'est rigolo que vous disiez qu'on nous dit qu'on est tous reliés, interconnectés, parce que bah, je ne sais pas si vous avez vu le live avec... Moi, je l'ai vu après en replay, parce que j'étais là au début, ensuite j'avais un soin, et ensuite j'ai vu le replay de Gorg. Hein, Olivier a invité Gorg sur sa chaîne. Il y a eu beaucoup de gens déçus, parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient avoir un galactique. Bon, au bout d'un moment, si tu veux... Il va falloir un peu, voilà. Mais ce qui est vraiment bien, ce qu'a dit Christophe Jacob, c'est qu'il a dit qu'on était tous interconnectés et interreliés, d'accord. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que je vous confirme, on est tous interconnectés. Donc, toutes les bonnes pensées que chacun d'entre nous avons pour la planète et l'univers... Eh bien, ça va attirer à nous des bonnes choses, d'accord? Ça va attirer à nous ce fameux monde qu'on veut revoir naître de ses cendres, d'accord?
Et je vais prendre une carte pour terminer ce tirage. Une carte des Crab Circle. Je ferme les yeux. Je me concentre. Dans l'autre sens. Et je prends la 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, j'entends que notre foi est mise, l'archange Métatron nous dit que notre foi est mise à rude épreuve et que c'est justement là où on va devoir maintenant s'aligner et vraiment être honnête avec sa propre vie, sa propre mémoire karmique, j'ai envie de dire, avec son âme, s'aligner avec son âme. Hein, se recentrer avec son âme. Notre foi est mise à rude épreuve. Bon, il y a ceux qui ne sont pas tombés entre guillemets dans le panneau en 2020 et il y a ceux qui vont se réveiller là maintenant et il y aura toujours des gens qui vont continuer et j'en ai vu, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Avant c'était moitié-moitié, maintenant c'est... allez, on va dire 20% de personnes qui mettent le truc pour aller faire les courses. Voilà, il y aura toujours des gens qui vont être dans la peur. Eh bien, ceux-là ont leur foi mise à rude épreuve. Hein. Moi, je crois en la vie. J'ai pas peur de quoi que ce soit. Si je dois mourir d'une maladie, je mourrai d'une maladie. Ben, écoute, c'est la vie, hein. La mort fait partie de la vie. Hein. Quand les gens auront compris ça, ben, les gens auront tout compris, tu vois. Voilà. Et j'en ai marre que des gens bien pensants, qui ont fait soi-disant des études, hein, des grandes études, l'ENA et compagnie. Moi, on m'avait dit que j'avais pas le droit de parler du C19 parce que j'avais pas fait d'études. Bon, enfin, peu importe, je m'en fous. Vu de la personne de qui ça vient... Si tu veux, bref, j'ai le droit d'avoir mon avis, hein, que j'ai fait des études ou pas. Je te jure, j'en veux plus. Ah, les gens qui pensent comme ça, c'est même stupide de m'avoir dit ça, parce que bon, voilà. J'ai envie de dire, j'en ai marre d'écouter des gens qui ont fait des études me dire comment je dois manger, ce que je dois acheter, ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je dois... Oui, se dire, parce que la liberté d'expression n'a plus le droit de rien dire, on est censuré à tout va. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ben, je ne publie plus rien, parce que j'en ai marre d'avoir des sanctions tous les 4 matins. Je publie beaucoup sur VK. Et puis voilà. Eh bien, j'en ai marre de ces gens qui me disent, qui nous disent comment faire pour être ci, être là, quoi manger, quoi m'injecter dans le corps, etc. Donc, on va regarder la carte. Alors, on a la carte du 1er juillet 2017. Alors, je ne sais pas à quoi ces dates correspondent. Je crois que ce sont les dates à laquelle les Crab Circle ont été pris en photo, je pense. Il faudra que je demande à Umberto Molinaro. J'essaierai de le contacter. J'aimerais bien faire une vidéo, un live avec lui. Donc, on verra. Non, je l'appellerai. J'essaierai de le contacter. Voir s'il accepterait un live avec moi. Et donc, je vais vous lire la carte qui est « Bien s'entourer ». Il va falloir maintenant bien s'entourer, créer un réseau pour justement créer ce nouveau monde hein, qui est déjà en train d'être fait. Moi, je suis sur Solidarita, il y a Solaris, il y a plein de réseaux comme ça alternatifs. Intermédiaire pour pouvoir s'entraider, etc. Vous pouvez aussi créer de la solidarité dans votre entourage, dans votre village. Alors, bien sûr, pas avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, etc. Pas des fois votre propre famille, etc. Mais peut-être au sens plus large. Peut-être créer, entrer dans une association dans votre village ou dans votre ville. Peut-être faire des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire depuis longtemps. Être participant actif de la société pour essayer de faire améliorer les choses. Alors, 7 pétales tournant autour du cube. Je vous montre. Désolée, cette vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. Ce sont les 7 archanges qui protègent la terre. Merci les archanges.
Tu vois, quand j'ai dit, il m'a dit de tourner le jeu, c'est pas pour rien. Ce sont les sept archanges principaux hein, qui protègent la Terre. Le monde de la troisième dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil. Tout ce qui a été caché est dévoilé à présent. C'est le sens de l'Apocalypse. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus. Cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. C'est pour ça qu'on te parle de méditation, là, de réaligner tes chakras. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus et cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. Vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez un être de lumière. Moi, je disais un être divin, mais là, c'est encore mieux, un être de lumière. Et c'est ce que j'ai envie de dire, parce que on nous appelle, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que j'étais une guerrière de lumière. J'adore ce nom, parce que c'est vraiment ça, on lutte, on travaille pour la lumière. Donc, vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez un être de lumière. Vous saurez ce qu'est l'amour inconditionnel. Alors, le dernier soin que j'ai proposé, c'était l'amour de soi et j'ai tourné ça en amour inconditionnel. Ben, écoutez, j'ai bien envie de vous dire, entourez-vous bien des personnes que vous allez pouvoir, avec lesquelles vous allez pouvoir travailler, œuvrer, créer des nouveaux réseaux, créer des jardins, des potagers alternatifs, des potagers, enfin, il y a plein de choses à faire, vous n'allez pas vous ennuyer, je vous garantis. Voilà, c'est important. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre attention. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonne fête à toutes les mamans. Hein, je vous invite à... Voilà, pour celles qui ont encore une maman sur Terre. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.